Salut à toutes et à tous, ici Dixon91 en compagnie de Clémentinos. Salut tout le monde. Donc on se retrouve sur Terraria et pour notre 12e épisode. Et immédiatement on va commencer par un boss. Oups. Ouais. Par l'œil. Oui parce que je suis en train de mettre une vidéo en ligne en même temps, j'assume. Et voilà quoi. Tu penses qu'il va pas partir, regarde la lune. Ouais. Il va rester. Donc on a décidé de faire à chaque épisode de se faire deux boss pour pouvoir augmenter, pour avoir de l'argent. Et c'est parti directement parce que je veux commencer directement parce que on a décidé d'aller au donjon. Et oui, déjà. Parce que la dernière fois on l'avait. Car on a battu le boss la dernière fois. Le squelettron. Et donc on a décidé de se d'aller vous montrer le donjon. Et voilà. Dites-moi si vous m'entendez trop fort. Parce que Clémentino, je pense qu'il m'entend bien. Enfin, assez bien. Ouais. Donc, à 2 secondes, voilà. Hop, un petit skill. Hop. T'as pas des flèches de bouffon, toi? Quoi? T'as pas des flèches de bouffon? Si, j'avais mis des flèches de bouffon. Flèche impie, non, c'était flèche impie. Oh, d'accord. Attends, il ne fait plus rien. Je nique l'épée. J'ai vu une étoile filante, c'est pour ça que je suis descendu. Hein. Ah, ok. Tu sais, tu me vois disparaître. Oui, oui. Ouais, j'ai la piste d'or. J'ai pas eu de fric. Bah, garde-le. Vas-y, t'es prêt, j'en envoie qu'un autre immédiatement. 1, 2, 3. Donc, on a décidé de se faire beaucoup d'argent parce que. Il est l'heure. Headshot. Ace shot. Oui. T'as ils sont descendus. J'essaie de le brûler moi. Moi je suis en train de le niquer. Tiens, il crame. On va essayer de le sniper. C'est hoche mais bon. Ah non, j'ai plus que des flèches normales. Tiens. Comme vous pouvez voir, ses HP descendent rapidement, regardez. Vous avez vu? On fait perdre rapidement la dernière fois. J'ai enlevé déjà 100 de vie. 200. T'as mis le chrono? Vas-y, prends. T'as mis le chrono? Ouais, ça fait 3. Non, j'ai pas mis le chrono, on va dire, ça fait. Je sais pas, on va dire, ça fait. Attends, bah, je vais le mettre. On va mettre quoi ici? Tiens, on va essayer ça, regardez ce que j'ai trouvé l'autre fois. Ça fait assez mal, hein, ce que vous. Ça va faire trop long cette vidéo, parce que la dernière vidéo, épisode. Numéro 11. Donc immédiatement on va partir au donjon parce qu'on avait dit qu'on allait y aller. Ou tu composes nos pièces d'argent? Je vais poser une pièce d'or parce que si on meurt Vas-y, j'arrive avec toi. Voilà quoi. Comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à dropper cette sorte d'arme magique. Donc on a bien fait d'économiser des étoiles filantes pour les avoir. On va avoir plein d'armes magiques là. Vous avez vu ce petit tic? Regardez. Hop, c'est quand je récupère ma mana. C'est un petit signal atomique ultra puissant qui nique les oreilles. Ces temps-ci, je dis n'importe quoi, je sais pas pourquoi. Et moi, je pose le démonite. Ah, mais j'allais plus. Je vais poser le. Attention à pas les mettre avec les miennes, hein. Après sinon c'est un mais mettez 3. Hein. J'en ai 2, j'en ai 8. C'est quoi ça? Gobelin. C'est une attaque de gobelin. L'est, c'est la gauche. Ouest. C'est la droite, ouest. T'es sûr? C'est est ou ouest? Il y a écrit W, ouest.
Je sais pas du tout en anglais, putain, je suis vraiment une merde. Je crois que c'est c'était par la droite. Hein. Au pire, vas-y, va voir sur Google. Mais attends, mais je vais voir ces gobelins, moi. Ah ouais, c'est gauche. C'est à gauche. C'est gauche. Oui, oui, vite, vite. Aïe. Ah merde. J'arrive, mais ça va. De toute façon, on est bien stuffé alors. Bah, je les laisse un peu se. Oula. Ah oui, putain. Vas-y, on avance vers eux. Vas-y, je m'occupe des mages. Ah ouais, je sais, je vais utiliser mon nouvelle arme. Ouais, c'est trop pratique contre les. J'utilise en mode solo. En mêlée, c'est très pratique. Ouais. Comme vous pouvez le voir, ils sont assez nombreux. On n'avait pas prévu ça, mais bon, bah. Ouais, on n'avait pas prévu. Bon, c'est pas grave, hein. Ça vous fait découvrir. Hein. Donc, des fois, il y aura des attaques de gobelins qui viendront. Donc, faudra être... Comme vous pouvez le voir, je récupère vite, rapidement ma mana. Ouais, faut, tu ramasses des machins là. Ouais, bah. On avance avec. Ils nous suivent, t'es sûr? Ils vont pas s'apprendre au PNJ? J'ai plus de mana. Ils peuvent spawn que là, de toute façon. Attends, je vois une potion. Je vais voir vite fait à la bruit parce que je sens qu'ils sont en train de s'en prendre à eux. Je t'envoie des coups de fusil si tu les reçois. Ouais, je les reçois. Ah, y a plus de gobelins moi chez moi. Moi, y en a encore derrière moi. Ah si, y en a. Comme pour le lore, je galère un petit peu. Bitchy, bouge pas, il va t'attaquer. Quel protect. En fait, il peut spawn partout. En fait, hein. C'est saloperie. Comme vous pouvez le voir, ça enchaîne assez rapidement. Regardez. On en fout. Le but, c'est de faire du fric. Donc là, j'ai déjà un or. Moi aussi, j'ai une pièce d'or. Et avec là, on va pouvoir s'acheter. Comme vous pouvez le voir, la musique a été complètement modifiée. Ouais, c'est tout. Mais sauf que je l'ai pas mis à fond, excusez-moi. C'est la musique des boss, ça. Putain, j'avais pas prévu c'est déjà. Moi, je suis le combattant, je vais dans le tas. L'habitude, c'est d'en être moi, mais bon, vas-y. Je te protège l'arrière et tout. Regarde le guide, il vient nous regarder. Coucou, les amis. Ça enchaîne assez bien ce que vous pouvez le voir de vous-même. L'attaque de gobelin. Putain, j'avais pas du tout prévu ça moi. Bah, c'est pas rare. Hein. Excusez-moi. Excusez-moi pour le petit supplément. Ils font mal, hein. Oh là là. Regarde tes HP, hein, mon ami. Mon ami. C'est bon, j'ai récup. Il y en a plein là. Attention. Oh là là. Tu vas te faire des potes. Je crois que c'est fini là. T'es sûr? Bientôt, bientôt. Il doit en rester un ou deux. Ouais, à droite j'en ai vu deux, trois. Mais moi, il n'y a pas écrit quand c'est fini. Ah là. Attaque-le, ça passe à travers les murs. Ça s'écrit pas quand c'est fini. Il y a marqué un truc quand c'est fini. Là. Non, non, c'est qu'il en reste. Mais il doit en rester. Ah, voilà, il y en a un là. Ah mais en fait il y a des magiciens, ils se téléportent. Ouais, ils se TP, fait gaffe. Et du coup, je pense que le dernier celui-là. Il y en a trois encore vers moi. Ah, moi aussi il y en a un. C'est bon, je les ai défoncés assez facilement. Encore un autre. Il y en a encore un autre. Il n'y avait pas du tout prévu ça, mais je l'ai dit je sais pas combien de fois, mais bon. Oh, il y en a plein chez moi. J'arrive, le héros va arriver.
récupère rapidement mes HP. Les PNJ se sont pas fait attaquer. Non. Ah, ok, voilà, c'est bon, c'est fini. Et pourtant, il en reste. Ouais, il en reste 2-3. Bon. J'ai des balles hérissées, et toi? Moi aussi j'en ai plein. Ça sert à balancer ça. J'en ai 86, et toi? Ah, tu peux les balancer en fait. Faut les balancer comment? Avec la main, comme ça, directement. C'est quoi ça? Un PNJ vient d'arriver. Roland. Mais Roland il était déjà là lui. Ah non, c'est le Père Noël. Bah voilà. On en avait parlé sur une vidéo. Ouais, le Père Noël de la dernière fois, on avait même dit, je sais pas comment quand on pouvait l'avoir. Ah oui, en fait, le Père Noël, il vient après l'attaque de Gobelin. Si, il fait une teinture noire, il peut une perruque, en fait, il sert à rien, il sert juste à rien. Je vais voir. Magasin. Tu crois qu'il nous manque de la place là pour... Comme pour combien de chambres là? Bah, je vais voir ça immédiatement, regardez. Pour voir, bon, je vais réexpliquer. Ouais, c'est très simple. Vous voyez, il a écrit social et tous vos équipements, etc. Une chambre encore. À gauche, il y a une sorte de maison. Vous cliquez dessus. Là, vous voyez toutes les salles qui restent. Toutes les salles qui sont prises par les PNJ. Vous devez cliquer sur le point d'interrogation pour savoir si ce logement convient. Ce logement convient. Vous cliquez juste dessus et vous voyez si ça convient. Il reste juste une place. Donc j'espère que ça va être pour un PNJ assez sympa. Donc bah on fera faire une autre baraque alors, enfin une autre. Oh, on va agrandir tout ça. On fera une maison ou ça. Oui, on verra. Vas-y, viens. On va aller après cette attaque de gobelins, on va foncer vers le truc. Ouais, je vais te dire combien ça fait de temps. Ça fait 9000, ça fait à peu près, ça fait 13 minutes à peu près, ou un quart d'heure. Ouais, bah ça va, bah on peut continuer. Ouais. Let's go. Dans le donjon. Comme vous avez vu, la dernière fois on y a été, mais on s'est fait tuer par le gros Et machin. On a oublié d'expliquer, excusez-nous. Ouais. Complètement zappé, non, parce que j'avais la haine parce qu'il nous avait buté. Voilà, ouais. J'assume, j'avais la haine. on s'est dit en fait, c'est un protecteur en fait. En gros, on n'a pas droit de descendre tant qu'on n'a pas battu la tête de mort qui était au-dessus. Là, on l'a battu, donc du coup, il va plus apparaître. Et on pourra descendre tranquillement. Par contre, donc... en bas, il y aura beaucoup de pièges et tout. C'est vraiment un peu... On va vous dire un truc. Moi, je suis plus offensif que lui. Lui ouais. Est plus défensif, donc c'est pour ça qu'on a décidé que c'était lui qui allait rush. Voilà. Même si on vient de se le dire il y a 3 secondes. Je suis défense. Ouais, c'est parce que j'ai 25 de défense. Moi j'en ai. Je suis encore sur le truc de social. J'en ai 12. Vous voyez, je suis pas très défensif. Encore, j'ai pas. Ah. Voilà. Voilà, on va l'attendre vite fait. Parce que là, ça va être le truc des machin. C'est bon. Je suis pas accélération. Je sens que ça va un peu laguer, mais bon, vas-y, on fait avec. Hein. Attention à toi. Ouais. J'ai oublié de poser la pièce d'argent. Toi, tu as posé? Non, j'ai 2 pièces d'or. C'est pas grave. On va essayer de survivre. Hein. On va essayer d'ouvrir tout ce qui est à l'intérieur. On arrêtera vers 25 à 30. On reprendra de là-bas, bien sûr. Et ouais, voilà, parce que on va pas se quitter là-bas et revenir, etc., etc. Bref, voilà, j'ai déclaré la 13e guerre mondiale. La 13e épisode.
On y est presque. D'habitude, je parle pas beaucoup, c'est tout le temps lui qui dit des trucs, mais là, cette fois-ci, c'est moi qui parle beaucoup. Ouais. Et puis, c'est moi qui explique en général. Et bon, voilà. Ok, alors là, il faut passer. Ah, t'as le machin. Crâne de psy. J'ai oublié de le prendre. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus le vieil homme. Ouais, vu qu'on a tué, donc il n'y a plus le vieil homme. Maintenant, il est chez nous avec un chapeau. Je sais pas si tu l'as montré. Ouais, c'était le Père Noël. Sur le chemin, on pose des torches. En dessous. Let's go. Alors, moi, je vais torcher, moi. Merde. Tu peux me protéger. Fais gaffe, il y a une météorite. Donc, on va montrer une technique. Regardez, vous voyez des potions sur le machin. Vous prenez votre marteau et vous donnez des coups dessus et vous obtenez une potion de soin. I say go tonight. Moi, je vais récupérer les livres. Comme vous pouvez voir, c'était. Bon, ici. Ouais, par. Bon, je vais pas dire des insultes. Par cette île de mort. Hein. Voilà. Ce connard de. Tu sais, il enchaîne tous les robots. Bâtard. Et moi, je torche. Ok, moi, j'avance alors. Surtout, ne touchez pas à ça. Enfin, ça se voit, faut pas le toucher. Là, il y a. Ah, il y a un piège. Faut le neutraliser. Oui, un piège. Qu'est-ce que. Ah, ouais. Je te laisse t'en occuper, j'avance. Il faut l'éliminer. Donc, ça va sinon, Clem Mantinos. Ah, gobelin attaché. Voilà, c'est lui, le mister qui vend. Et voilà. Iron Man. Et voilà. Et ça voilà. Nous fait le combien de PNJ, ça nous fait le je sais plus combien de PNJ. Donc on va le laisser là, je pense qu'il va pouvoir se rentrer à la maison. Ouais, je pense qu'il va rentrer à la maison. Puis de toute façon, on revient si jamais en plus j'ai pas pris mais j'ai que deux or. Et vrai, alors là on va avancer mais à la vitesse de la lumière. Donc voici des squelettes font chier, il y en aura plein pendant les coffres. Je les ouvre, s'il te plaît. Hein. Regardez, il y a des hein. Il y en a en bas. Je suis sur un coffre. Voilà, il y en a en bas. Vas-y, je l'ouvre. Ah, bah non, pour ouvrir les coffres, il faut une clé en or. Donc, les clés en or, on peut les trouver soit sur les monstres ou soit je sais plus, soit sur des pots. Attention, ouais, tous les pièges qu'il y a, c'est horrible. Ou après, je sais plus. Bon, je vais prévoir mes potions. Toi qui torches. Torche. Vas-y, go à droite là. Putain, mais ça fait extrêmement mal. Ouais. Putain, j'ai 34 HP, ah. Mais je vais mourir. Ah. Je vais crever, c'est pas possible. Mais t'as ça, toi, ça va, il te reste 102, moi, il me reste plus rien. Oh là là, mais je suis pas doué, moi. On n'est pas doué. Mais fallait pas aller. Mais non. Mais viens, on descend par là-bas. Imagine, okay. Y a un coffre. Parce que j'ai vu une porte vers la gauche. Putain, on a pas de bloc pour poser. Va voir en haut, moi je vais. Oh oh. Y a absolument rien. Hein. Là-haut, y a rien. Vers la gauche, va voir, j'arrive. Ah, vers la gauche. Y a un coffre? Vers la gauche, il y a un chemin où on peut tomber. Bah vas-y. Bah tu prends à gauche, moi je vais continuer à descendre. On fait ça. De toute façon, on va okay. Se rejoindre. Il y a un machin qui m'attaque. Bonne chance sur le chemin. Oh là là, bah en plus on va se croiser, je crois. Je vous conseille de casser ses pots parce que. On va se croiser. Ah mais rien. Tiens, encore un autre PNJ. Et voilà, bah ça. Là, ouais, mais on aura plus de place. PNJ, non. Donc ce PNJ, on va le libérer. Hein. Ce PNJ sert à vendre tout ce qui est plaque de pression et tout ça. Des sièges, en fait. Voilà. Ah, il y a une clé. Une clé en or. Bah attends-moi. Je remonte pour l'ouvrir. Non, bah attends-moi pour l'ouvrir. Je l'ouvre. Attends, pour l'ouvrir, oui, mais faut que je survive. Je vais faire une ellipse parce que ça va être loin à faire tout ce chemin. Allez. Ah bah regardez, il est là, Jill. Il est là le mister. Ouais. Il y a du bois, je vais faire un truc.
Non, il n'y a plus de bois. Plus de bois. Là, tu peux me prendre des choses, tu prends 5 machins dans le coffre. Ouais, je vais en prendre aussi pour moi. Oups, je viens de casser une torche. Bah, je t'attends pour l'ouvrir alors. Ouais. Je vais faire le chemin en ellipse. Là, je cherche juste du bois vite fait, rapidement pour. Là, faut que je survive. Allez, à tout de suite. Re les amis, donc on va ouvrir le coffre. Je prends tout parce que je l'ai décidé. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il y avait une clé sur moi, ce qui nous permettra d'ouvrir les coffres qui sont dans l'enfer. Ouais, Je vais jeter 2-3 trucs. Ça s'utilise pour tous les coffres. Hein. Tu peux me protéger pour l'instant, je jette des trucs. Ouais. Moi, faut que je jette aussi des trucs. Hein. Bah, vas-y, jette aussi. Hop, les os, on va garder. Ah, tiens, tes chaussures d'ailleurs. Ah, merci. Hop, on va jeter cette porte. On va jeter ça. Vous allez voir ce que ça fait les chaussures. Je viens de montrer ce que ça vient de faire, mais bon. C'est un peu trône, mais. Ah merde. Ah. Alors, t'es où là? Je suis un petit peu en haut, de toute façon. Je récupère un peu. J'ai 3000 pièges. Oui. Oh là là. Regardez. Si dedans t'obtiens pas une clé, c'est que c'est. Non, en fait, c'est pas que. C'est dans les. Tu sais, dans les slimes. Ouais. Il y a des slimes des fois et dedans il y a une clé. Obligé. Il y a une clé qui est cachée. Oh, j'ai bientôt crevé. Et tu vois, dedans dans le coffre, il y avait une clé. Il y avait quoi à l'intérieur? Une clé, une potion de spellogue et du fer. T'as combien de clés alors? J'ai 2 clés là encore. Bah oui, ça s'utilise à l'infini. Non, c'est une clé. Non, c'est pas. Ah bah viens, j'ai trouvé un coffre. S'utilise pas une fois par coffre. Viens à droite là. J'ai trouvé. C'est que la clé sombre qui s'utilise à l'infini. J'ai trouvé un coffre, je peux l'ouvrir? Vas-y. Tiens, attends. Tiens, la clé de savoir. Ah, peut-être après la clé sombre, toi. Ouais, bah, pas grave, on joue juste un coffre pour montrer. Allez! Tiens, la clé. Hop, vous faites clic droit et hop, vous ouvrez et vous prenez tout. Y'a quoi dedans? Y'a un sceptre magique. Ah, ok. Missile magique. Voilà, dans les coffres, y'a souvent des armes magiques. Hein. On va voir ce que ça fait. Bah, ça fait rien! Ah, ça fait quelque chose. Bon bah. Youhou. Ce que j'aimerais, c'est avoir un fusil qui est trop bien. Je crois qu'il y a un coffre juste au-dessus de nous. Sans potion, ah non, potion, c'est une porte. Prends les coffres en or. Hein. Mais c'est. Bon, je vais les buter. On me prend mes pièces en or. Oui. Oh là. Donc je vais voir vite fait, j'espère que j'ai encore la clé en or. Je l'ai plus. Bon bah je vais essayer d'en trouver une autre. Hein. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Je vais monter un petit peu parce que j'ai vu 2-3 petits trucs à gauche là en haut. Bon, moi j'ai posé des trucs. Hein. Oui. Mais ah, mais vol. Voilà. Dans 8 secondes je vais utiliser une potion. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Glou glou. Je sais pas si je vais en mousquet. Mais oh, mais il se passe quoi là? J'arrive pas à utiliser mes armes. Correctement. Vous avez vu? Grâce au bol, je monte plus haut. Et j'ai trouvé un trophée. Une statue. Ouais, voilà, une statue. Bizarre, bien. J'ai trouvé une statue, j'ai pas où la foutre. Pose dans une des chambres. On va faire une salle où on mettra des trophées et tout. Oh là 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 là. Comme vous pouvez le voir, heureusement que j'ai gardé l'arme ultime contre toutes ces hordes de zombies.
pose une statue n'importe où attendant. Ah, attends. Hop. Bon bah je vais essayer de. Hop, comme vous pouvez le voir, j'ai agi intelligemment pour une fois. Je me suis vanné tout seul, bref. Ah, ça c'est moi tout craché. Artou. J'arrive, j'espère que j'arrive vite. Sinon, Ah, t'as vu quoi on fait ça. C'est pas du feu, c'est du violet. Ouais, je sais. Je savais même pas. Comme vous pouvez le voir, j'essaie de faire très attention. Je sais pas si eux ils crachent du feu. Je crois. Tu sais les têtes de spectre. Ouais. Ils font juste dessus. Ouais. Ah ouais mais il faut. Ah ok. Ah mais après ils t'enlèvent l'utilité des armes. Ouais, tu peux pas utiliser des armes. Aïe, t'as fait mal. C'est assez chiant. Bon, je me dépêche. J'essaie de faire très attention. Oh, j'ai la potion du chasseur. Comme ça, je vais voir leur déplacement des ennemis. Je suis content parce que là. J'ai trouvé un coffre. J'ai vite là. On a les Iron Bot. Clé dorée, c'est bon, j'ai une clé. Ok. Je vais ouvrir le coffre ou pas? Attends-moi. Ah, trop tard, je l'ai ouvert. Bah, je prends pas, je te le laisse. Je te laisse prendre les trucs qu'il y a à l'intérieur. Merde. Putain. Bah vas-y, bah de toute façon. On fait quoi? On arrête la vidéo ou. Non, on va continuer un petit peu. Puis après, on revient là. Vas-y, on continue un petit peu et après, on va voir. Hein? Ah sinon on va ramasser du bois puisque moi j'en ai pas du tout. Ah j'en ai un petit peu, j'en ai 39. Moi ouais, je vais voir après. Donc allez c'est parti, je vais retourner rapidement et après quand on sera devant le donjon on va se quitter, ok? Ok, bah alors je prends du bois alors je m'en vais. Comme grâce à mes bottes d'armée j'ai avancé assez vite. Hop. Après faudra faire une replantation d'arbres. Il y en a plein des armes. Youpi, ah, oula. J'essaie d'avancer assez vite pour le rattraper. Comme vous pouvez le voir, il bouge plus. T'es devant le donjon? Non, j'y suis presque. Enfin, là, en fait, je prends juste du bois, là. En attendant, j'en prends plein. Je t'entends. Coucou. Au revoir. Ah, c'est bon, j'ai pris du bois là. J'ai pris un stack de bois. Comment je suis arrivé? excusez-moi pour le. Oula. Excusez-moi pour ces coups de respiration. On va récupérer un peu de bois vite fait. Ouais, faut faire des réserves. Même si on n'utilise pas souvent. Bah pour les PNJ. Hein. Ouais. C'est grave pratique hein, ça. Ah, il y a un grand arbre. Hop. On est à 10 dessus. Façon de parler. Ouais. Bon, fini les deux derniers arbres. Il y en a encore là-bas, mais moi. Et voilà. Oh, il y a des machins qui m'ont affecté là. Je pense qu'on va se reprendre là, ok? Voilà. Bah, pour le prochain épisode. Ouais. Allez. Donc, on vous a montré un peu le donjon, etc. etc. Ouais, donc sur ce, portez-vous bien,
Et mettez un pouce vert si ça vous a plu, abonnez-vous si vous voulez continuer à me suivre. Je ferai pas que du terrain, hein, ne vous inquiétez pas. Enfin, je pense que vous inquiétez pas, enfin, je crois. voilà. Allez, sur ce, portez-vous bien, même si je l'ai dit tout à l'heure. Allez, ciao ciao. Ciao ciao.